Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc vous êtes bien sur la chaîne Mario75. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dégustation de nouveautés de chez KFC, le menu Megabox. Donc dans votre menu Megabox, pour 5 euros, vous avez 5 produits. Donc un produit égal à 1 euro. Vous allez avoir des onion rings par 5 qui sont ici. Les onion rings. Vous allez avoir une portion de frites, c'est soit des frites ou soit une crevette. Mais là aujourd'hui, je vais vous prendre des frites. Donc voici la portion de frites. Il y en a un peu dans le sac, ne vous inquiétez pas. Il y a quand même pas mal de frites. Donc les frites qui restent là, je vais les mettre là. Hop. Vous allez avoir une boisson. Donc moi j'ai pris un Pepsi sans glace. Qu'est-ce que vous êtes plutôt chez KFC comme team? Team Pepsi, Team 7-Up Mojito, Team Lipton Ice Tea ou Team Evian, tout simplement. Vous allez avoir aussi un petit cookie. Par contre, normalement, vous pouvez avoir une glace, mais la machine à glace, elle est en maintenance. C'est ce qu'ils m'ont dit, hein, soi-disant. Après, voilà. Un petit cookie, c'est dommage, le petit cookie. Bon, voilà, il est petit, comme il dit. C'est bien marqué petit cookie. Par rapport à la glace, c'est vrai qu'on perd un peu au change, mais bon. Et le double crunchy. Donc là, c'est très intéressant. Dedans, vous avez deux tenders. Donc voici. Donc la boisson. La portion de frites. Les onion rings. Le petit cookie. Et le double crunchy. Donc 1, 2, 3, 4 et 5 produits. Donc 5 produits, 5 euros. C'est une offre qui font à peu près, là je crois, jusqu'au 30 mars. Donc avec soit ketchup mayo, mais moi je vais prendre de la sauce barbecue pour les frites. Hop. Donc on se retrouve tout de suite pour la vidéo dégustation. On va commencer par les onion rings. Regardez-moi ça. Par contre, les onion rings, là, c'est bon, c'est dans le menu. Quand vous les prenez par 10, je crois que c'est 3,70 €. C'est très cher, j'avoue. 3,70 € pour 10 onion rings. Je crois à BK, c'est les 10, ça doit être 1,70 €. Mais par contre, les onion rings de chez KFC, les amis, ils sont 100 fois meilleurs que BK. Donc c'est parti, onion rings. Regardez le petit bout d'oignon frit, franchement, trop bon. C'est trop trop bon. C'est un peu gras comme c'est de la friture. Mais franchement, avant dans le menu à 5 euros, vous aviez les pop-corn de chez KFC, mais ils les ont arrêtés. Ils ont remplacé par les oignons frits. Donc après, les frites. Avec de la sauce barbecue. Donc maintenant, on va s'attaquer. Le plus important pour moi pour le menu, c'est le burger. Donc regardez-moi ça. Je vais mettre l'assiette, ça va éviter que ça tombe à côté. Donc, double crunchy. Ketchup. Salade. Un tenders. Et le deuxième tenders qui est juste ici, regardez. Un et deux tenders. Franchement, il est
Il est garni de ouf, comme vous pouvez voir. Donc c'est parti, je vais faire un petit combo. Je vais mettre quelques frites. Hop. C'est vraiment histoire de faire un petit combo. C'est parti. Franchement, regardez-moi ça, le tender. Gros morceau de tender. C'est parti. Comme vous savez, moi, KFC, c'est mon fast-food préféré. Moi, je suis team KFC. Franchement, regardez. Franchement, pour un menu à 5 euros, il est bien. En temps normal, quand il n'y a pas le menu à 5 euros, ce burger-là, vous le trouvez à 2 euros, bien sûr. C'est le simple. Là, vous en avez deux morceaux de poulet. À 2 euros, vous n'avez qu'un seul morceau de poulet dedans. Mais franchement, il est super bon. Avec un peu de sauce barbecue. On sent bien le poulet, c'est un petit peu épicé, un peu mariné. On sent bien le cheddar, franchement. La sauce ketchup, on la sent bien. On sent bien les oignons, la salade, franchement. C'est goûtu. Après, ce que je peux reprocher dans ce burger, dans tous les burgers de chez KFC, c'est le problème. Regardez. Le pain, il s'effrite de fou. Il s'effrite partout le pain. Donc c'est ça le gros problème. C'est pour ça que moi, chez KFC, je prends soit des Hot Wings, ou soit des tenders, à part des burgers pour vous faire une vidéo. Mais autrement, je suis plutôt Hot Wings et tenders. Il est super bon le burger, je donne. Franchement. 8 sur 10. Il n'y aurait pas eu le problème du pain qui s'effrite. Je donnais 9 sur 10. Franchement, il est super bon. Regardez. Franchement, on voit bien, franchement, il est bien garni. Pour vous dire, c'est pas de l'arnaque. Le poulet qui dépasse. Franchement, c'est des gros morceaux de poulet. Hein. Maintenant, bah après j'aime pas trop avec les pailles en carton, mais bon. Pepsi sans glace. C'est parti. Je mange comme un cochon aujourd'hui. J'avais la dalle. C'est ça que je peux faire le seul reproche. Ça s'effrite partout. Je vais prendre. Regardez-moi ça, les oignons frais, franchement, ils sont gros. C'est une tuerie. J'aurais pas fait le challenge comme une fois je vous ai fait les oignons rings de chez BK, je vous aurais fait un challenge. Mais là, comme je vous en ai fait un chez BK, je vois pas l'intérêt de vous en refaire un chez KFC. Des oignons frits, c'est. Voilà quoi. C'est des oignons frits. Sauf, même, franchement, KFC sont graves bons. Donc, on a terminé les oignons frits. On a goûté le double crunchy. On a goûté les frits.
Maintenant, on va goûter le cookie. Par contre, le cookie, regardez-moi ça. Hein. Il est petit. Hein. On va goûter s'il est bon. Le cookie, il est mou. J'aime bien quand c'est un peu mou, mais on va goûter. Franchement, le cookie, il est bon, mais il est un peu pâteux, donc je donnerai sur 10. Je donnerai la moyenne, 5 sur 10. Après, du Pepsi, je kiffe le Pepsi, donc je ne vais pas être objectif. Si je vous note le Pepsi, je vais vous dire 8 sur 10. Le double crunchy, 8 sur 10. Les frites, 6,5 sur 10. Et les onion rings, 11 sur 10. Attendez, je vous préviens, non, je ne sais pas, c'était une blague, 10 sur 10, il y en a qui vont me dire en commentaire, mais Mario, ça n'existe pas, 11 sur 10. Hein. Donc merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, la vidéo du Colonel Sanders de chez KFC. Donc on a mangé la Mega Box pour 5 euros, 5 produits. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain. Et merci pour tout ce que vous faites sur la chaîne. Quant à nous, on se retrouve ce soir, les amis. J'ai bien dit ce soir pour un gros live analyse de chaîne plus raid. Si j'ai une bonne connexion, parce que malheureusement, samedi dernier, le live GTA, il a duré 3-4 minutes. J'ai une connexion de merde. Du coup, j'ai eu un écran noir. Excusez-moi pour le mot. Mais c'est la réalité, c'est... En ce moment, la connexion, elle est franchement, elle est pourrie. Donc, j'ai une connexion de tracteur. En plus, quand je vous mets une vidéo, ça met 5 heures à charger. Donc, voilà, les amis. Donc, veuillez m'excuser pour tous ces petits contretemps au niveau de la connexion, malheureusement. Donc, quant à nous, comme je vous ai dit, on se retrouve ce soir pour un live analyse de chaîne plus raid. Les live analyse de chaîne plus raid, c'est une fois toutes les 3 semaines. Donc, samedi prochain, on reprendra les lives GTA 5 online. Quant à nous, on se retrouve jeudi pour une vidéo cuisine. Et samedi prochain pour une vidéo dégustation. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao, bye bye. C'était Mario 75.